Hello tout le monde, je m'appelle Fleur et je vous retrouve démaquillée pour vous parler de mon favori teint du moment. J'ai nommé la CC Red Correct de Herborian. Comme vous le constatez, j'ai la peau assez pâle et j'ai surtout beaucoup de rougeur au niveau des joues. Et donc vous l'aurez compris dans son nom, mais ce produit m'aide à camoufler les rougeurs et surtout à unifier mon teint de façon à avoir un rendu un peu plus sympa quand même. Comme vous le savez peut-être, en colorimétrie, la couleur qui annule le rouge, c'est le vert. C'est pourquoi la CC Red Correct est verte et lorsque vous l'appliquez, eh bien les pigments agissent et s'adaptent à la carnation de votre peau si, comme moi, vous avez quand même une peau relativement claire. Dernier point, très important pour moi, le produit contient un SPF 25, donc ce qui permet de se protéger un petit peu des dangers du soleil. Lorsque je n'ai pas envie de me maquiller beaucoup, eh bien je l'applique seule, parfois poudrée et parfois non. Mais lorsque j'ai envie d'un maquillage plus chargé et d'un teint vraiment parfait, eh bien je l'utilise en base et ça fonctionne aussi très très bien. On y va pour l'application, là encore je varie les plaisirs. Si je veux un rendu assez naturel et que j'ai pas trop le temps de me maquiller, je l'applique au doigt. Mais aujourd'hui on va l'appliquer à l'éponge pour un rendu vraiment optimal et pour un petit glow qu'on aime bien quand même. Donc je vous montre le produit vert et vous allez voir, au début c'est vert, alors c'est assez impressionnant. Et au fur et à mesure, voilà, ça va se transformer. Donc ça va d'abord un peu blanchir et puis après on va avoir vraiment les pigments de la couleur de notre peau. Ce qui est top avec ce genre de produit, c'est qu'on a moins de problèmes au niveau de la démarcation puisque les pigments s'adaptent à notre carnation, mais on n'oublie quand même pas de les tirer jusque sur les oreilles et dans le cou. Et tada! Résultat des courses, un teint lumineux, les rougeurs camouflées, les imperfections estompées et surtout un visage hyper lumineux. Perso, je suis vraiment fan. Et surtout un résultat hyper naturel, on dirait presque que je ne suis pas maquillée et si je ne le dis pas, personne ne le sait, n'est-ce pas?